Ah, j'ai un niveau. Ah, mais j'ai pas assez de points de tal. Ouais, je voulais obtenir le 3 points pour pouvoir m'acheter les dernières. Pour acheter les dernières pièces de cybernétique qui me manquaient. Pour devenir une vraie cyborg. Enfin, devenir une cyborg encore plus peut-être maintenant, quoi. Alors, il me reste. Je dois aller fouiller chez qui là? Ok. Donc je dois aller voir Miranda. Et n'empêche, c'est con, hein, mais juste la fenêtre ouverte, ça change déjà radicalement la vie niveau chaleur dans la pièce. Donc vous allez voir, le jeu va très vite se finir maintenant parce que là il n'y a plus de quête annexe, il n'y en aura quasiment plus. Donc là on va vraiment rush l'histoire principale en fait. Et comme le jeu a une durée de vie basiquement assez courte. Est dommage quand même parce que putain il y a un tel potentiel dans le jeu quoi. How do you, Pertinus? What you calling for today? Let me see. Structure be true enough. Plastic cover. Metal, not a brand you'd be chasing and no rarity, but dang it if it don't still work. Gives the price a kick. Nice doing business with you. Come back if you want anything more. Ah, et voilà, on a fini bric-à-brac. How do you, Pertinus? Visiblement, on a fini la quête de bric-à-brac. Ouais, voilà, c'est ça. Welcome to BioFormTech. How may I help you? BioFormTech.
BioPharmTech is the world's leading nutrition, health, and wellness company. BioPharmTech wishes you a pleasant... Welcome to BioPharmTech. How may I help you? BioPharmTech wishes you a pleasant... Merde, j'ai oublié de parler à ces connes durant la quête... Ah merde! J'ai totalement oublié d'aller la trouver. En fait, durant l'enquête de BioPharmTech, on aurait pu gagner de l'expérience avec elle. Tant pis. C'est vous, écoutez, vous devez vraiment rester à l'écart, vous allez attirer l'attention. J'ai parlé à votre ex-mari, Richmond, il va m'aider à infiltrer Redwood Watts. Richmond, vous l'avez vu, où est-il? Je ne sais même pas s'il a envie, comment va-t-il? Il a envie, mais dans un seul état. Il est protégé d'une vieille caravane à l'écart de la ville dont la traite de ton peste ne vienne l'achever un jour. Oh, Rich. Je n'avais pas le choix, vous devez me croire. J'avais refusé tout le pourri, il l'aurait tué. Je n'avais pas le choix. Enfin, au moins il a envie, il reste toujours à l'aide de l'époque qu'il laisse ça derrière lui et qu'il change. Vous pouvez penser que je m'en tire mieux que lui, mais croyez, et moi je vis dans la peur tout autant que lui. Je m'agrippe à mes fils de marionnettes comme s'ils étaient des loupis de grenade. Tout ce que je peux faire pour espérer rester en vie. C'est de Richmond dont j'ai besoin maintenant, Miranda. Oh, après toutes ces années passées à essayer de le garder en sécurité, il replonge droit dedans. J'espère que vous avez ce que vous faites. Laissez-vous la chercheuse principale de Réseau Watts, Elizabeth Sterling. Elle a une carte d'accès, j'en aurais besoin pour atteindre GSV2. Oui, je connais, je l'ai rencontrée une ou deux fois. Une jeune femme brillante, charmante et modeste. Je me rappelle qu'elle a été une chercheuse intelligente en intelligence artificielle. Et en effet, elle travaille bien à Réseau Watts. Je n'ai jamais compris comment les gens bien pouvaient attirer dans leur rang. Nous avons chacun notre propre histoire, je suppose. Mais si vous devez la rencontrer, je pense avoir ses cordées. Aidez-moi alors dans la procédure sur laquelle j'ai travaillé pour Samuel récemment. Voyons voir. Voilà, elle habite près du restaurant Den, sur le boulevard après ses jours. Mais avec un métier comme le sien, vous aurez plus de chances de la trouver à rue du Watts. Bonne chance. Mais n'empêche, c'est un peu la merde. Par contre, je ne me rappelle plus où c'est que je trouve les renseignements sur la mort de Lien.
Alors, chez qui je peux... Je dois m'enseigner encore. Ok, faut que je demande à Decker et j'aurais dû demander à Richmond parce que c'est lui qui a les infos sur le pirate informatique, j'ai été con. Pas grave, on se TP, on va se TP pour Richmond. Qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de Mitchell, le chef de la sécurité? On dépendra d'infos sur les voix, mais on sait qu'ils sont engagés à un régiment de sécurité entier d'Armagir pour protéger les locaux. Mitchell est à leur tête, ça lui fait de lui le chef de la sécurité de l'installation. Si Richmond a raison, Mitchell sera en possession d'une des cartes d'accès. Mais il habite pratiquement à Red Voice, donc tu peux pas se faire lui tomber dessus dans la rue. Tout ce que je sais de lui, c'est que c'est un vétéran de l'armée. Il a passé des années avant de se reconvertir en mercenaire. La rumeur raconte que son renvoi de l'armée était tout sauf amical. Il s'est passé quelque chose. Son dossier est classé secret défense, sûrement par Armagir. Mais si je sais que le plus fond, ça attira leur attention. Il faut avancer caché. Notre meilleure option, trouver quelqu'un qui le connaisse, un ex-militaire. Et peut-être que ce bon vieux Hank sera quelque chose. Un vieil ami, il tient un magasin d'armes dans le quartier chinois. Ok. Ouais, Wizard. Ok, donc il faut aller voir Hank. Comment va votre mignonnesse? Je te cherche. C'est dans l'armée, n'est-ce pas? Vous vous souvenez d'un certain Mitchell? Apparemment, il a eu quelques soucis. Quelques soucis, tu l'as dit? Ouais, je m'en souviens. Je n'ai pas oublié un seul de mes hommes, mais celui-là en particulier au Pakistan en 2021. Donc là, s'est fait prendre en embuscade dans les montagnes presque tous tués. Deux jours plus tard, il pète un câble. Il m'a torturé, tu étais prisonnier. Il voulait se venger de tout le monde et puis il a tiré sur son lieutenant et deux autres qui essaient de l'arrêter. Ça, par contre, je pouvais pas laisser passer. Une fois au procès, j'étais bien là en tant que témoin, mais son avocat était un malin. A plaidé un TSPT, comportement répréhensible. Pas de solde d'anciens combattants et c'est tout. Pour avoir tué trois de mes hommes et un bon paquet d'autres, tu ne méritais pas ça. Pourquoi tu me demandes, t'as un problème avec lui? On peut dire ça comme ça. Il bosse pour Armagir, il va se trouver sur son chemin. Il y a quelque chose que je pourrais utiliser contre lui? J'aurais jamais pensé aider quelqu'un contre l'un témien, mais s'il a guerre Armagir, c'est plus l'un témien. Allez, j'ai gardé les rapports du procès. Je jette jamais rien. Voyons voir. C'est une réaction psychologique, tu peux lire ça. Et c'est vraiment barré le mec, son TSTPT, c'était pas du flanc, la culpabilité pathologique, et ni la totale. Pas de soucis, Wizard, à la prochaine. Oh, et je parie que ça va être intéressant les vidéos de sécurité que tu essaies d'utiliser pendant le procès. Comment Mitch est en train de tuer et de torturer, il va carrément oublier les trois quarts de ce qu'il avait fait. Si tu lui montres ces vidéos, ça va lui faire un sacré choc. Bon, par contre, pour Richmond, on va se TP, hein, parce que voilà. Hein. Et n'empêche, ils sont fait chier à traduire tout, hein. Entre les défenses, ça fait drôle d'être de l'autre côté du mur maintenant. Je peux te le dire, je sais pas ce qui est le plus dur. Enfin bref, t'as besoin de quelque chose? Vous avez aussi un de vos amis qui sera en possession d'une des cartes d'accès. Que pouvez-vous me dire à son sujet? Mais avec grand plaisir, par où je commençais. Bien après le procès nous a fait fermer, le complexe s'est emparé de Red Woods. Il leur fallait quelqu'un pour me remplacer. Quelqu'un de mes capacités, mais les scrupules en moins. Quelqu'un qui comprendrait ma façon de programmer. Comment mon système fonctionne? Où ont-ils cherché en premier? Parmi mes potes, bien sûr. Sacré potes.
n'aurais jamais pensé qu'il le débaucherait. Lui, il crache un super hacker, intrépide et aussi bon que des cœurs. Il a étendu le linge-sale d'un paquet de gens importants à l'époque. On s'affrontait online. Tout le monde était aimé par rien de trouver leur défaille. Personne faisait ça mieux. Et je l'admirais, il en avait une paire de l'intégrité. Moi, j'étais qu'un maillon de la grande chaîne, je faisais mes 35 heures. Lui, il était en première ligne, un dénonciateur. Pour ta bonne antisido, tu perds une partie de ton âme. Et que Samuel a saisi Radu Watts, le complice a offert mon ancien job à Crash. Ce sale Judas a sauté sur l'occasion sans remords. Et sans scrupule par rapport à tout ce que je venais de perdre. Un vrai parangon de vertu, hein. C'est ça, Crash. Pas évident, je suis désolé. Comment je devrais m'occuper de lui, à votre avis? Tu vas déjà devoir gratter un peu et laisser ton éthique derrière toi sur ce coup. Crash a mis pas mal de gens à dos dans sa période d'hacker. Et pas tes moins, comme tu t'en doutes. Il devait protéger sa véritable identité à tout prix. Même moi, je ne le connaissais pas. Le complice savait apparemment. Si tu pouvais découvrir son vrai nom, tu pourrais facilement peser ça dans la balance. Il vaudrait sa mère plutôt que de faire tomber son masque. Je suis allé le voir dans une de ses cachettes une fois. Il n'y a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Crois-moi, une parmi d'autres, bien sûr, mais elle était dans le quartier chinois, juste au-dessus de ce bar karaoké. Tu pourrais peut-être retrouver quelque chose là-bas qui arrive. Reviens-moi tout de suite. Ok. Quartier chinois, TP magique. Donne-lui ma Crash. T'es un homme mort, Crash, tu m'entends, sale traître, mort. Je vais te trouver chaque trace que tu laisses dans le cyberespace. Je la trouverai, je la suivrai, je la remonterai jusqu'à toi. J'en fais ma mission, peu importe combien d'années ça va me prendre, tu finiras par faire une erreur et quand je saurai qui tu es, je te le ferai payer. Ah mais là, il s'est fait plein de potes, Crash. Crash à Crash. A11Z10. Ah oh, putain, c'est vrai, il y a une énigme à ce con avec l'alphabet. En fait, il y a un coffre dans sa baraque. En fait, chaque lettre de son pseudo Crash correspond à un chiffre en fait. Et c'est ultra chiant parce qu'en fait, là, il nous a donné l'indice. Sachant que les lettres vont de 1 à 13. Et qu'elle se réinitialise au milieu de l'alphabet parce qu'il n'y a que 13 lettres. Dernier match Crash, il y a une rumeur dans le CFAS comme toi, tu bosses pour le complète, c'est vrai. T'es mon héros, mais j'aurais pas à croire que t'étais un foutu depuis le début. Comment ils t'ont convaincu? Et merde! Ah mais ça c'est horrible ça. Mais ça aurait dû être Crash descend un homme politique. Benedict Monaghan, le renommé ministre britannique des Affaires étrangères, a été choisi comme un sérieux candidat de la plus haute fonction ces dernières années. Il risque d'être freiné après les révélations choquantes faites par le hacker Crash. Il
existait déjà des rumeurs autour du financement douteux de la campagne de Monaghan et les documents dévoilés par Crash ne laissent plus aucun doute sur son application. Il a entendu que le ministre devrait démissionner dans les heures qui viennent. L'insaisissable hacker responsable de cette fuite a souvent été porté en triomphe par la communauté mondiale des hackers, pour avoir mis à genoux certains individus ou corporations corrompues, révélant des scandales. La liste des gens ayant une revanche à prendre sur Crash s'agrandit de jour en jour et quiconque connaît son identité se verrait sûrement offrir une récompense considérable. Ouais, donc il a vraiment pas envie qu'on sache qui il est, quoi. J'arrive pas à les atteindre. J'arrive pas à atteindre ses défenses, bordel. Mon hacking est pas assez bon. Bon, et au lieu d'attendre seulement de récupérer toute ma concentration, on va directement aller à la source, hein, parce que... Je sais chez qui je peux m'enseigner pour l'IAD. Enfin, j'ai une hypothèse. Chez les flics. Après tout, il a dû enquêter sur l'histoire. Ça me paraît pas trop déconnant. Nice. J'en ai pété un. Hein. Alors, oui, ça m'a mis bien à mal, mais au moins, si j'en ai détruit un, il va spawn beaucoup moins de virus. Et résultat, détruire le deuxième sera beaucoup moins compliqué. Apprend, on va se taper ce code de merde. Oh ah, ça, c'est un truc d'enculé, ça, par contre. Oh.
Putain, il a respawn quoi. Ils font jamais ça normalement. Oh putain, ça est long et chiant. Ça va être chiant comme la... Ça va être chiant comme la pluie, ça. En fait, la seule solution que j'ai, c'est maroufler, en fait. Ouais voilà, c'était dans le seul la solution. Il fallait se positionner pour pas aggro les machins, en tuer un et puis revenir. Et là, on prend l'argent de ce connard. Ah, il me refaut l'indice là. Quoi? Oh là, oh là, attendez. Attendez. Oh. Sérieux, j'ai pas l'indice. Enfin, si, j'avais l'indice, mais... Tu le retiens pas de tête, t'es baisé. D'accord. Bon, je voulais pas faire ça. Alors attendez, parce que là, on n'est pas dans la merde. On n'est pas dans la merde, attendez, je voudrais juste... Voilà, donc c'était A11Z10.
Ah non, écoute, on va pas se faire chier avec l'alphabet et tout ça. Ah non, écoute, on va pas se faire chier avec l'alphabet et tout ça. Ah non, écoute, on va pas se faire chier. Putain, je... Voilà, désolé, je suis allé prendre une astuce sur internet parce que. Ouais, ça allait être chiant. Ah, c'est pas lui qui me donne tes infos? Ah, peut-être la journaliste. Peut-être la journaliste. Ça aurait été pas déconnant que le film m'enseigne. Hein. Toi, tu m'enseignes. Non, lui, il m'enseigne pas. Putain. Ah bah voilà. Un scientifique de l'aine a été assigné il y a quelques années. Tu en as entendu parler? Entendu parler? J'étais au premier loge, j'ai tout vu, le mec a eu aucune chance, c'était des pros qui ont fait ça. Ils aident comme tes commandants ou un truc du genre. C'est vrai, continue, c'est très important. Important, et pourriez-vous à tout hasard mettre un prix sur cette importance parce que j'ai une vidéo de toute la scène et en résolu optique. S'il vous plaît, c'était risqué, mais je me suis dit aussi que c'était important, je pourrais la partager avec vous, disons 300. Très bien, et j'en fais une copie. Voilà, et partez-moi de vous complimenter sur votre science des affaires. Je te l'envoie d'ailleurs. Qu'est-ce que tu vois? J'avais pas dit que c'était en résolution optique. Bref, camionnette noire portant porte-luisante, 5 soldats, non 6. Le shop est disparu, tous est passé comme il l'a dit. Et si ils étaient d'armes à guerre, ça se voit à leur équipement. Ils ont sûrement tout mis dans cette pour faire accuser les Seiders. Certains d'entre eux n'ont même pas le visage couvert. Je pourrais peut-être tenter une reconnaissance faciale. Ah, tiens, tiens, on dirait que c'est l'un d'entre eux, que Mitchell, le chef de Sigrid dont je t'ai parlé, celui d'Ariou, à ce salaud sans scrupule, devait voir Len tous les jours au boulot. Ça ferait un sacré chaud d'œil si elle voyait ça. Ah, c'est bon, j'ai ce qu'il me faut. Je pose un tour entre 1. Hugo, regarde-moi ça, la carte d'identité d'un certain Wade Murphy, alias Crash.
Haha, parfait, t'auras cette fouine tellement sous la botte qu'il aura la marque de ta semelle partout sur le visage. J'ai préparé une petite surprise pour lui. Attends, je te le transfère. Si tu trouves l'ordi de son bureau, appelle-le là. Je le transfère, il devra peut-être trafiquer un peu sa machine, mais si tu y arrives, qu'est-ce qu'on va se marrer? Ah bah voilà, c'était là, pardon. Voilà, là on est bien. Donc là on va vers le quartier chinois. Von. Je suis prêt à t'attaquer, Reichwood. Est-ce que Jumand a fini de hacker leur système de sécurité? C'est ce qu'il dit. Bon, et un peu comment tu te sens? Voyons un peu. Comment tu te sens? Mal. On n'attendait pas moins de toi. Bon, tu as du matos, tes munitions, tout ça. T'as récupéré tes infos sur ces porteurs de cartes. Il faut que tu saches où trouver les trois. C'est bon, et c'est bon. Je peux y aller maintenant. Bien. Tant que Jumand tire les ficelles de leur système de sécurité, tu pourras masquer ton approche. Mais tu devras quand même faire attention aux caméras, aux drones et aux alarmes, d'accord? Je serai communiqué avec toi tout le long. Richmond t'aidera en direct aussi. Bonne chance. Écoute bien, Bleu. La sécurité va être super renforcée à l'intérieur. Donc va doucement et évite les caméras. Richmond et moi seront avec toi tout le long. Cet bâtiment est condamné depuis l'accident. L'ascenseur a une panne. 3 morts. Fais gaffe, ok? Tu arriveras dans le lobby, pardon. C'est trop facile. Ah bah carrément. J'aime l'argent. J'aime l'argent. Je suis une saloperie. Le mec, il est... Enfin, je suis en infiltration totale dans un complexe et tout. Je prends quand même bien le temps de hacker. Aïe, fils de pute.
prends quand même bien le temps de hacker les mecs. Par contre, ouais, là, cette SP elle est quand même bien cheatée, je crois. Bonjour, vieux monsieur, mais il ne semble pas vous avoir déjà rencontré. Bonjour, mon ami. Bonjour, je suis Thèse. Vous êtes Ellie, c'est ça? Ah oui, de vous rencontrer. Moi de même, écoutez, je suis vraiment désolé et je ne veux pas de mal poli, mais les visiteurs ne sont normalement pas autorisés ici. C'est une installation à haute sécurité, vous comprenez? Hélène, pourrais-tu vérifier que notre ami n'est pas perdu? L'application de la base de données et des autorisations de notre ami n'apparaît sous aucune liste des personnes autorisées, mais je doute qu'elle soit perdue, Ellie. Ellie, vous devez regarder cette vidéo. C'est votre ami Len, sa mort c'était le complète. Quoi? Qu'est-ce que vous racontez? Qu'est-ce que c'est cette vidéo? Yann, où avez-vous? Oh non. Oh mon... C'est Mitchell. Qu'est-ce qu'ils font? Et vous la demandez de pourquoi ils voudraient le tuer? Pour quelle raison pourrait-il vouloir faire ça? C'est de la folie. Il n'a été une menace pour personne. Je ne comprends pas. Oui, il posait des questions sur ce qu'il s'était passé avec le programme Keter. Nous essayons d'accomplir ça en froid, c'est certain, mais je n'aurais jamais imaginé. Oh mon dieu, je dois avoir peur qu'il démissionne, quelque chose comme ça, mais faire ça, ça, faire exécuter. Et Mitchell, comment ose-t-il me regarder droit dans les yeux et même, ah, je ne me sens pas bien, ce connard, ce misérable, ce sournois, cet assassin, ce connard. Je lui passerai le bonjour d'autre part quand je le verrai. Je ne peux pas, je peux pas le laisser sentir tout ça, je lui fais ce connard. Oui, espèce d'idiot. Je n'ai jamais plus loin que le bout de mon nez. Exactement ce qu'il recherchait chez une employée, je n'en doute pas. C'était pour arrêter, n'est-ce pas? Pour tout arrêter, n'est-ce pas? Pour arrêter GSV2. C'est la bonne chose à faire. Les assassins ne devraient pas avoir accès à ce genre de pouvoir. Je vais vous aider. Vous avez besoin. J'ai besoin de votre carte d'accès pour accéder à la salle de ces serveurs de GSV2. Oui, voici ma carte. Il vous faudra les deux autres pour entrer. Je devrais sûrement partir maintenant. Mais non, je dois vraiment partir. Je ne dois vraiment partir là. Connard. Et bim, un niveau. Voilà, comme ça je vais pouvoir mettre les deux implants qui me manquent. Bon travail de lire à Mitchell. Salut Mitchell. Je veux dire que toi et tes hommes aviez arrêté un intrus l'année dernière. Bon travail. Je me demandais pourquoi on avait besoin d'une telle sécurité, mais je commence à réaliser que vous êtes vraiment nécessaire. Je pas à comprendre pourquoi autant de gens s'acharnent à essayer de pénétrer dans une installation comme la nôtre. Enfin, continue comme ça, je suis content de pouvoir me sentir sûr au travail, et c'est grâce à vous. Mitchell a dit, salut, pas de problème, c'est mon boulot de surveiller tout ça. Et si tu veux savoir, la plupart des types qu'on attrape sont soit des abrutis de voyous qui ont perdu un pari et essayent d'impressionner leurs potes, soit des drogués qui pensent pouvoir voler notre matériel. Elle de recherche pour se faire de l'argent facile. Ça reste des individus pas très stables dans l'ensemble, donc si tu rencontres un, cours et déclenche l'arme, j'arriverai sur le champ. Ah ouais, là, il y a le flingue laser pour l'aspect gun, justement. Merde, c'est un gars d'Armagir, ça. Ah, fait chier.
Mais c'est le bureau des 40 000 connards! Merde, quel con. Je le vis bien. Pourtant, ce qui serait fat, c'est qu'il y a un bloc de données quelque part, quoi. Comme ça, je pourrais matcher mes compétences en corps à corps. Et mon prochain level up, ça serait vraiment pour foutre à fond dans le piratage, quoi. Parce que j'ai un gros souci. Enfin, un gros souci, oui et non. Ce qu'il y a, c'est que je n'ai pas beaucoup de piratage en fait. Ah, cette chatte! Ah, cette grosse chatte! De politique, le matériel du bureau doit rester sur place. De crash employé. Chers employés, suite à la découverte d'une nouvelle faille de sécurité haute à haut risque, nous avons mis à jour notre règlement sur les connexions et employés au serveur email hors site. Je ne plus accéder à vos emails de l'extérieur. Je me permets de réitérer que notre règle interdit toute communication liée au travail hors site reste en vigueur. Nous vous remercions de nous aider à empêcher le vol de données. Cordialement, crash responsable de la sécurité informatique Redwood Watts. Merde. Installation de la machine à café est chouette et gras. De S. Lenoch, la directeur de programme de développement. Cher James, juste pour t'informer que la nouvelle machine à café devrait arriver lundi prochain vers 10 h. L'histoire prendra environ 1 h. Elle ne devrait pas être très bruyante, donc ce ne sera pas dérangeant. Mais voici de te rappeler de faire un choix parmi la liste des grains de café que j'ai distribué la semaine dernière. Nous pouvons bien évidemment alterner les grains tous les mois, mais je dois savoir lequel commander en premier. Merci beaucoup cordialement, Suzy et les autres, j'ai une installation de Redwood Watts. Ah, ils sont pas chiés les mecs. En fait, leur gros problème dans la vie, c'est savoir quel café on va prendre. Ah, moi je dis d'accord, hein.
Ah, 2 litres spell gratos, allez. Combien de mesures de sécurité là-dedans? De Eli à Mitchell. Salut Mitchell. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. J'espère que tu vas bien. Dès que vendredi soir, si tu n'as pas déjà fait tes plans, que l'on pourrait en sortir, ça me ferait du bien. Un bien fou de plus penser sur pour une soirée. Je peux te dire à bien. Je peux te le dire. À bientôt, Eli. Mitchell, salut Eli. Super. J'allais justement t'écrire pour te proposer de sortir ton j'ai reçu ton mail. Quelle coïncidence, bien sûr, vendredi serait parfait, je passerai te prendre à 19h30. À vendredi, Mitch. Ah, il se drague. Eh. C'est mignon. C'est lui dommage qu'il ait tué son meilleur pote. Alors, les petites merdes, là, vous m'emmerdez. Ah, j'en prends plein la gueule. Retraite de retraite de Kazurik, ouais. Livrée Botuel à Mitchell. Mitchell, suite à une alerte de la part d'One Duel, c'est avec regret que je vous demande d'effectuer un retrait de Kazurik 3 de Tom Slot. Notre analyse de données. J'ai étudié son agenda et je pense que ce week-end serait le mieux, peut-être vendredi soir au Marlowe. C'était mes remerciements, comme toujours. Gabe Redboss, directeur des affaires internes. Mitchell, je Redboss. Certainement, chef. J'ai consulté l'agenda de Scott. Je préfère conduire l'opération samedi. Mon historique de transactions permet assez de régularité pour que je puisse choisir un lieu adéquat pour son retrait. Faites-moi savoir si cela pose une quelconque problème. Autrement, c'est comme si c'était fait. Totalement, Mitchell. Aïe. J'en prends plein la gueule, j'en prends plein la gueule. Ah d'accord, tu marches comme ça toi. Presque pas relou. Requête au sujet du respect de la vie privée. Requête au sujet du respect de la vie privée, Tom Scott, Highlander. Cher Owen, j'étais en train de parcourir les projections et estimations d'après GSV2, et pour être honnête, ce que j'ai vu m'a causé vraiment gêné, d'autant plus qu'on considère la nature confidentielle de notre recherche, ce qui veut dire que le public n'a pas son mot à dire. En général, mes inquiétudes se portent sur la vie privée. Si GSV2 est un succès, nous pouvons en être sûrs, les flux de données à travers nos réseaux seront incroyablement centralisés. Enfin, notre compagnie aura accès à tous les réseaux de communication et d'après ce que je vois, plus ou moins à tous les types de données. Si on ajoute à ça nos systèmes de décryptage, on vous demandez quel garde-fou notre compagnie a prévu pour empêcher les abus de pouvoir jeter. Que le plus tôt nous aurons résolu ces problèmes, le mieux nous serons préparés à faire face aux suspicions quand elles émergeront. J'ai hâte de connaître votre position à ce sujet. Tom Scott, analyste des données, Redwood. Cher Tom, voilà pourquoi nous avons embauché. Il est indispensable que vous sachiez anticiper les problèmes de la sorte, et je suis heureux de voir que vous partagez les inquiétudes que j'ai eues depuis le lancement de ce projet. Voici ce que l'on m'a répondu. Le directoire est en contact permanent avec les agences gouvernementales pour s'assurer que le flux d'informations est géré de façon éthique et respectueuse de la vie privée. Tant ici qu'à l'étranger, nos travaux sont parfaitement transparents à tous les échelons des réseaux de gouvernementales. J'espère que cela apaisera vos craintes. Merci encore Tom, cordialement, Owen Dehol, directeur de la gestion des données. Il se fout de la gueule du monde. Il veut nous baiser. Allez, enculés. Ah.
Ah oui. Ah oui. Heureusement, ils ont pas été enculés à ce niveau-là. Quel con, j'ai foiré mon combo. Heureusement qu'il est police, cet antivirus là. Je me suis fait hard défoncer. I can see you are busy, but might I suggest you locate Ellie and prevent her from committing an A1 grade felony? There is high certainty that murder is her next course of action. Mitchell, the intended victim.
I am for the service of Ellie, but I am unable to follow her. Els, where are you? I shall await her return. If that should not happen, I am Ian, Ian Tuesday. In my prototype form, I was created by Ellie and Ian One to serve. After Ian One's farewell, we miss you, Ellie suffered symptoms of loneliness. Oh, Ellie. To aid her convalescence, Ellie adjusted my speech patterns, analytical processing. She implanted in me a selection of stimulating memories from her and Ian One's past. At 4:15 p.m., I suggest a break, coffee, memories, and private chat. Yes, my design concept represents a business opportunity, but I am a personal pro. Conclusion 1. You are suffering from a low IQ. My memories were uploaded before Ian's death. Conclusion 2. You suffer. Ouais, et comment je dois empêcher ça en fait, parce que ça j'ai jamais réussi à le faire quoi. I can see you are busy, but might I suggest you locate Ellie? Que je viens pas perdre de l'argent en achetant leur merde.